Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où la dernière fois on avait montré comment faire un skin Slender. Et aujourd'hui, je vais montrer comment faire un skin sans tête sur Roblox. Parce qu'il y en a plein, je suis sûre, ils regardent des tutos et ils se disent, ah, mais il faut aller sur les versions ordinateur et tout, j'ai pas envie d'aller dessus. Et ben là, je vais vous montrer la version comment ne pas aller sur une version ordinateur, mais quand même faire un skin sans tête. Alors déjà, vous allez aller dans personnaliser, vous allez aller dans corps directement. Vous choisissez la couleur de peau que vous voulez. Moi, je vais choisir ça personnellement. Ensuite, vous choisissez vos vêtements. Donc moi, je vais faire la même chose que la dernière fois. Donc vêtements. Classique, je prends celle-là, pantalon classique, je prends l'autre. Ensuite, on va aller directement dans corps, on va aller dans bras gauche, on va mettre comme d'habitude, comme la dernière fois plutôt. Parce que voilà. Ensuite, on va aller dans jambe droite, jambe gauche, pardon, jambe droite. Ensuite, vous allez aller dans torse. Alors, je précise juste avant de commencer, le tuto est fait pour les personnes ne se rappellent pas de leur mot de passe. Donc, c'est vraiment pour vous le tuto que je le montre. Parce que si vous n'arrivez pas à aller, si vous ne vous rappelez pas de votre mot de passe, vous ne pouvez pas vous connecter à la version ordinateur sur tablette. Du coup, ensuite, vous allez aller directement là pour le plus important. Dans forcément, on va aller dans logiquement visage. Non, je rigole. Là, je choisis juste mon visage, mais de toute façon, il se verra pas. Du coup, on va mettre dans les têtes. Vous allez choisir cette tête-là. Donc, comme les tutos normaux, vous choisissez cette tête. Donc, une tête assez basique. Donc, la tête, je vous précise bien, elle vient de. Si on va dans personnage et qu'on va dans acheter, elle vient de Citadine. Donc c'est important d'acheter celle de Citadine, pas une autre, parce que elle a un visage qu'on peut choisir. Après elle, peut-être que aussi, on va voir. On va aller voir du coup corps, tête. Voilà. Donc là et là, c'est la même chose. Ok? Sauf que elle est plus fine. Donc on va essayer avec elle. J'essaye le glitch avec elle, ensuite je reviens après. Voilà, donc c'est bon. Là, j'ai essayé et du coup, il faut aller dans la première, donc celle de Citadine, parce que c'est celle qui se verra le moins. Ensuite, vous allez dans peau. Vous allez dans avancer, parce que nous, on veut le truc invisible. Du coup, bah non, ça, je vais le faire pour la fin. On va aller. Du coup, directement qu'est-ce que je vais dire? On va aller directement pour voir. Oh là là, je me souviens plus de ce que je vais dire. Donc, en fait, on va commencer par les cheveux, ça va être plus simple. Donc, déjà la tête, on la déséquipe, on la fera après. Cheveux, du coup, je reprends les mêmes que la dernière fois parce que je les aime bien. Tête, vous prenez celle-là. Non, celle-là, pardon. J'insiste sur la tête de Citadine. Hein, bien. Ensuite, vous allez dans peau. Vous allez dans tête. Et vous prenez la plus foncée qu'il y a. Déjà, ça, c'est nul. Nous, on veut la plus foncée. La plus foncée, celle qui ressemble le plus. C'est celle-là. Donc, vous prenez celle-là. Et dès que vous l'avez pris. Je vais vous montrer ce que ça donne en jeu. Et voilà, donc là, j'ai ma tête invisible. Bon, pas tellement, mais pour pas aller sur la version ordinateur, franchement, c'est pas mal. Moi, je suis content quand même du résultat. Du coup, pour ceux qui vont dire, ouais, t'es qu'un menteur et tout, je tiens à dire que la vidéo, que là, ce que je suis en train de montrer, ça marche que sur certains jeux. Il y a des jeux où ils font pour pas que justement ça marche, les glitches comme ça, genre Brookhaven et tout. Donc
Bonjour, tu as regardé mon tuto? Ah bah nickel. Donc ça marche pas sur tous les jeux. Faut pas que vous étonnez ensuite directement que voilà, ça marche pas. Donc là, on va seulement essayer la tête parce que ça fait que 5 minutes de jeu. Du coup là, je vous préviens. Par contre, moi je suis pas très fort dans les jeux comme ça. J'en fais souvent, mais voilà. Je suis pas tellement fort. Je suis pas si fort, mais j'en fais souvent. C'est pas logique. Par contre, je suis désolée aussi pour ma voix. Je baisse le son parce que c'est n'importe quoi. Je suis désolée pour ma voix parce que, en fait, j'étais à un match de basket et du coup, bah, j'ai crié. Et du coup, bah, la voix, elle est devenue n'importe comment. Bref. Du coup, on va aller jusqu'à la couleur, je sais pas quoi. Hein. Moi, je connais pas trop les yeux. Oula. Le gemme, c'est pas pris. Ah bah si, c'est pris, c'est juste que vu que j'étais stressée parce que avant on entendait le son. Voilà. Donc on refait. Voilà. On teste. Hein. Il y a une commande dans ce jeu, vous mettez pas point virgule, mais double point et vous marquez FIRE. Et là vous appuyez et hop, hop, là vous êtes en feu. Dans ce jeu, c'est un glitch, voilà quoi. C'est pas mal, franchement. Voilà. Donc, j'insiste bien sur le fait que le glitch ne marche pas sur tous les jeux, parce que je ne veux pas entendre un seul commentaire dire que ouais, t'es un menteur et tout ça. Donc, j'insiste bien sur le fait que ça marche pas sur tous les jeux, mais sur mes jeux principaux, à moi, ça va, parce que Brookhaven, j'y joue beaucoup, mais c'est pas, en ce moment, c'est pas mon jeu principal. Donc voilà, tous les jeux à peu près, voilà, moi je joue plus à Tower of Calm en ce moment. Donc pour moi c'est pas un problème, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ça va poser problème. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Par exemple, là, la dernière vidéo, j'avais eu 100 vues, 122 vues. Je pense que vous allez vous dire, ouais, mais 122 vues c'est rien, mais imaginez-vous, on met 122 personnes l'une à côté de l'autre. Chacune et à chaque fois, ben voilà quoi. On en met une à chaque fois à côté de l'autre, ben ça fait beaucoup quand même quoi. Du coup, je le dis pour toutes les personnes qui aiment Brookhaven, toutes les personnes qui aiment les jeux assez connus, ben moi c'est pas trop mon cas avec Tower of Calm. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo si ça marche dans Tower of Hell. Parce que là, j'ai pas trop envie d'essayer, mais ça sera la première chose que je vous dirai dans la prochaine vidéo. En tout cas, voilà. Pour l'instant, je peux vraiment rien faire. Ça marche que. Faudrait que je trouve une chose pour que ça marche dans tous les jeux. Après, je sais que sur ordinateur, il y a aussi des commandes et tout pour avoir des têtes totalement invisibles. Mais moi, ça m'intéresse pas trop parce que je suis pas version ordinateur. Et je suis aussi team. J'oublie tout le temps mon mot de passe. Et après, je dois refaire un compte. Mais bon, moi, ça me dérange pas parce que je vais quand même pas. Je suis quand même pas à me plaindre si jamais je perds un compte. De toute façon. Je récupérerai mes Robux dessus, etc. De toute façon, là en ce moment, j'ai 2 Robux, mais j'en aurai déjà 400 le mois prochain parce que j'ai 400 tous les mois, j'ai l'abonnement. Donc voilà, donc là ça va être. Voilà. Mais du coup, là on est clairement en train de faire une vidéo Tower of Calm. Là c'est carrément une vidéo sur Tower of Calm. C'est pas une vidéo sur comment faire un skin comme ça. C'est une vidéo sur Tower of Calm. Bah au moins ça permet de tester le skin sans tête. Voilà. Et ça vous permet de voir un peu mon niveau dans Tower. J'espère que vous, ça vous trouvez bien. Parce que j'ai même pas envie que vous me trouviez nul dans les jeux comme ça. Moi perso, je trouve que. J'essaye de. Je suis pas trop fort, je vais pas dire que je suis fort parce que il y en a certains, ils vont se moquer. Mais j'essaye de m'entraîner et un jour je ferai une vidéo vraiment quand je serai prêt à faire une vidéo, etc. De comment je joue dans Tower of Calm. Ok. Donc, quand je jouerai beaucoup mieux. Là, je vois que ma voix, ça s'empire, mais ne vous en faites pas, hein, ça va être mieux d'ici la semaine prochaine, quand il y aura de nouveau une vidéo, ça sera mieux.
d'ici là, voilà. Donc ne vous en faites pas, faut vraiment rien, faut vraiment pas s'en faire. Ça va déjà aller mieux. Déjà abonnez-vous pour me soutenir de la voix cassée parce que ça me saoule un peu, tu vois. Et aussi bah voilà quoi. En fait, il y a rien d'autre à dire, ça me saoule, c'est tout. Mais du coup, soutenez-moi en mettant un like et abonnez-vous, etc. Vous connaissez tout, de toute façon, je vous le dis à chaque vidéo. Ça fait quand même, je pense. Oh là, je suis en train de bugger. Ça fait, je pense, déjà. J'ai pas regardé ma première vidéo, mais je pense que ça fait bientôt un an là que je suis sur YouTube. Mais en vrai, je m'en fiche des abonnés. Hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'en avoir. Oula. Là, je vais essayer sans le gravity. Peut-être que je vais le regretter, peut-être pas. Ok, je suis assez fort. Bon, par contre, là, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Parce qu'on est allé assez loin en vrai. Hein. Bref, parler. C'est bon, on a assez parlé de ma vie. On va parler plutôt du skin. Ah non, c'est vrai que. Ah bah maintenant, quand je le déséquipe, va falloir faire tout. Bon, du coup, la tête elle est invisible. Je trouve ça stylé en vrai parce que ça fait quelques jours je cherche sur YouTube plusieurs choses. Ou alors on peut avoir une tête invisible. Et j'ai en fait, il n'y a aucune vidéo vraiment qui m'a aidée. Je vous jure, j'ai découvert les trucs de Citadine tout seul. Ensuite, j'ai regardé pas mal de tutos. J'ai vu qu'ils faisaient comme moi. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Ensuite, j'ai découvert que à midi, j'avais déjà essayé un peu. Ensuite, je voyais que ça marchait pas. Mais du coup, j'ai essayé sur d'autres jeux et ça marchait. Et là, j'étais contente. Je me suis dit, là, faut faire une vidéo. Là, c'est le moment. Faut faire une vidéo. Parce que c'est quand même important. Mais on vient de tomber de 5 étages, mais t'inquiète, hein. Bref, du coup, là, je remonte tranquille. Là, là, ça va. Parce que quand tu t'habitues à plus compliqué, c'est pas. Bon, ce jeu, faut vraiment, là, faut vraiment que je fasse une pub dessus. Parce que c'est vraiment un jeu que je joue beaucoup dessus. C'est vraiment quelque chose que je peux prendre pendant que je joue. Je joue peut-être 2 heures maximum à chaque fois. Et je pense qu'une fois, j'ai joué pendant 1 heure et demie à ce jeu-là. Sinon, je jouais à Brookhaven. Brookhaven aussi, c'est un jeu pas mal. Hein. Je tiens à le dire que Brookhaven, c'est un jeu pas mal. Bref. Du coup, on continue. Hein, parce que là, je tombe depuis tout à l'heure. Mais vas-y, hein, tranquille. Hein. De toute façon, vas-y. Là, c'est facile. On connaît. Non. Oh là là. Je me prends que des karmas. J'espère pas me nouveau en prendre un. Parce qu'en vrai, faut que j'arrête de faire trop mon malin. Je suis pas si fort que ça dans les jeux comme ça. Oh mon dieu, non! Bon bah voilà, le karma il est revenu parce que j'avais de nouveau dit des bêtises. Oh, ce jeu il est trop compliqué. Voilà, tu vois, c'est le jeu le plus compliqué du monde. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose pour ça. J'espère que ça. Dino! Oh oui! On devient un dinosaure! Bon, les amis, vous savez ce qu'on va faire parce que là, je sais que ça marche dans ce jeu. On va se remettre nous. Et par contre, on va remettre le fear. Et attends, ça marche vraiment le. Charme. Oh! Genre, ça marche dans ce jeu! Oh, trop bien. Attends, bah alors je sais quoi mettre. Hop là. Oh, Agirl Jennifer, j'ai déjà vu plein de vidéos où c'est des fausses Agirl Jennifer. Et ils sont super forts dans les jeux là. Hein. Super. Genre, c'est pas mon niveau du tout. Par contre, Agirl Jennifer, j'avoue que j'aime pas trop son skin. Parce que jambes épaisses, ok, j'en avais avant, hein, j'avoue. Mais là, je trouve c'est trop chiant pour là, les jeux que je fais. C'est trop chiant et dur. Franchement, bah, j'aime bien les teams épaisses, mais chaud, hein, leur dire qu'ils sont beaux. Hein. Je suis désolée, mais moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Personnellement, voilà. Oh, Agirl Jennifer, elle me donne la chance, hein.
Bah, c'est peut-être parce que je fais hommage à son skin, vu qu'elle s'est fait ban de Roblox. Ouais, c'est peut-être pour ça, hein, qu'elle me remercie. Lol. Lol. Bon, ce jeu, vraiment, j'essaye de trouver ceux où on regarde des histoires Roblox. Parfois, je pense que vous aussi, vous en avez déjà regardé. Si vous regardez cette vidéo, eh ben, il y en a plein. Ils font. Je sais pas comment expliquer. Ils jouent à un jeu et c'est pratiquement le même. Bah, c'est pas celui-là, mais je le cherche depuis longtemps. Si quelqu'un le connaît, marquez-le dans les commentaires. Voilà. Et voilà. Du coup, on continue directement. Bon, ça devient chiant parce que voilà. Bon, par contre, là, on est passé d'une vidéo faire son skin à ça. Donc, on va se mettre en re. Voilà. Re. Voilà. Bref, du coup les amis, j'espère que cette vidéo tuto et aussi jouer à Tower of Hell vous aura plu. C'est le cas. Bah c'est bien. Et si c'est pas le cas, je vous tue. Je vous tue. Je vais tous vous tuer si c'est pas le cas. Voilà. Bon bref, du coup vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo tuto. Voilà, donc. Si vous voulez plus de vidéos tuto, marquez-le dans les commentaires. Ou si j'ai les commentaires désactivés parce que j'ai encore une voix trop de petits gosses, bah le marquez pas, je le ferai de toute façon. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah likez et vous abonnez.